basée à La Rochelle. On réalise des solutions digitales sur mesure pour nos clients dans le domaine du B2B, donc des solutions qui intègrent trois composantes. Des applications qui tournent sur des tablettes ou des smartphones, des logiciels web qui font appel à des bases de données, des traitements intelligents et des objets connectés. Comme on est à La Rochelle, on a la chance d'avoir une activité portuaire assez importante et donc sur le port de commerce, on a mis en place, on est en train de livrer une solution qui va permettre de gérer la traçabilité et du déchargement des bateaux de vrac. Aujourd'hui, dans notre métier, on n'est pas seulement fournisseur, on est assez souvent à l'initiative même du projet, dans la réflexion. On a un rôle de conseil d'une certaine façon. On a des clients en France, à l'étranger, on en a eu en Belgique. On a ce client qui nous emmène un peu sur le territoire africain. On a donc Systel qui représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. On a des entreprises PME en transformation numérique. On a des start-up. On a effectivement un développement international qui est tout à fait envisageable. Maintenant, c'est de transformer cette société qui fait des solutions sur mesure dans une société qui continue de faire ça, qui est toujours innovante, puisque ça c'est notre marque de fabrique, mais qui a réussi à mettre sur étagère des solutions qui sont réplicables, transposables. La solution qu'on fait pour le port de commerce sur La Rochelle, on peut peut-être la vendre au port de pêche en Algérie, au Maroc, etc. Donc il y a une vraie dynamique régionale autour du digital dans laquelle on s'est inscrit. Demain, bien sûr, de mettre en place des réseaux intelligents, connectés, mais de faire attention quand même à la consommation énergétique, au bilan de dépenses énergétiques.